Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Foundation. Donc là, l'objectif de la dernière fois, si je me rappelle bien, c'était de se mettre à produire du fromage. Donc là, on a déjà une ferme laitière. Tiens, les promotions. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge, la pile pas le moment où je vais m'enregistrer. Super. Alors, on va pas encore créer des citoyens. Les serfs, pourquoi pas. Les roturiers, on va peut-être augmenter comme on faisait la dernière fois une maison en particulier. Même si de toute façon j'ai l'impression qu'ils changent de. Enfin qu'ils peuvent se permettre de changer de maison. Les serfs, oui, ceux qui ont déjà un métier. A priori je n'ai pas de villageois sans métier, donc c'est très bien. Donc on va tous les faire passer serre. Ah oui, j'avais oublié d'activer le comment ça s'appelle l'immigration. Alors on va prendre une maison et on va aller chercher les habitants de cette maison pour les faire monter de niveau, sachant que il va falloir que j'améliore mes marchés aussi. Si je ne l'ai pas fait, je ne me souviens plus. Donc là, oui, voilà, c'est ça. On va peut-être faire ça pendant qu'on y pense. Il va me falloir une étale de marchandises, en fait, pour vendre à partir de maintenant des vêtements. Donc ça, on va le mettre ici, ouais. On va mettre un petit peu des tentures là, parce qu'on n'en a pas. Ça fait très bizarre là. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas après tout. Hop. Donc voilà pour ce marché. On peut même prévoir déjà une autre étale de nourriture pour vendre le fromage qu'on vendra plus tard. Comment on va faire du coup? Elle est pas dans le bon sens. Ça fait un peu bizarre là. Il y a la route qui lui passe dessus. Bon, c'est pas grave, c'est fait maintenant. Trop loin? Ah, on peut pas faire si loin que ça. Dommage. Bah écoutez, on va se mettre à côté de celle-ci. Hop. Voilà. Hop, un petit pan ici, c'est sympa. On va lui mettre une tenture rouge aussi pour continuer. Voilà. Clac, clac. Hop, un petit tonneau qui traîne ici. Hop. Voilà, on fait les choses sympathiquement. Ah ouais, là-bas, là c'est vraiment dans la ruelle. Ça fait un peu chelou, c'est pas grave. Allez, construire. Ok, donc ce marché là c'est bon. Ensuite on a celui là-bas qui doit être bon normalement, je crois. Clac clac clac, il suffira juste de rajouter. Excusez-moi, attendez, je vais me racler la gorge, donc je vais couper mon micro. Voilà, ça n'a pas fait grand chose, un petit peu, mais bon, ça va. Donc, on a dit une étale. Merde! C'est chiant ça. Une étale de nourriture supplémentaire pour vendre du fromage. On va la mettre par là. Ou par là. Ah, trop loin, dommage. Par ici, sinon. Ouais, il n'y a pas besoin que ce soit si. Comme ça là. Hop. Hop. Et voilà. Et voilà. Très bien. Très bien, très bien. Centre du village. D'accord, ces trois petites caisses. Hop.
Tac, commencer la construction. Ok, j'ai fait commencer la construction là-bas, oui. Parfait. Donc j'ai ce marché qui est ok. J'ai celui-ci. Alors, qui pour le moment ne vend que du pain. Je sais plus, on avait dit qu'on allait essayer de ne mettre que du fromage là pour voir. Par contre, on peut leur mettre des petites tentes. Hein. Voilà. Et il va me falloir une étale de marchandises quand même. Ça, pas passer à côté. On va la faire comme ça. Clac. Hop. Commencer la construction. Mettre un petit peu de déco. Clac, un petit banc par là à côté. Clac. Voilà. Commencer la construction. Très bien. Et maintenant, on va améliorer une maison. Disons celle-ci. Je ne sais pas laquelle c'est. Celle-ci, voilà. Moyenne. Élevée. Bah, plutôt l'élevée alors. Alors, maintenant, il va falloir chercher dans la liste des promotions. Alors, Anise. Anise Home. Henri. Henrik. Henrik. Voilà, Henrik. Gébinus. Ou non, Abrafan. Abrafan. Dodin. 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 Gébinus. Ruminus. Et Audelard. J'ai cru que c'était Oldelaf. Voilà. Clac. Ça fait une maison. On va faire petit à petit, hein, pour suivre nos productions de près. Parce que dès qu'on va voir que ça commence à diminuer, boum, on remarque qu'on peut faire les deux là. 4 nouveaux villageois sont arrivés dans notre village. Cool. Bonne nouvelle. Alors. Alors là, je suis combien? Je suis à 96 villageois. Et ce que je voulais vérifier, c'était les places dans mon église. Là, je suis à papa 80 places. Ok. Et là, dans celle-ci, 20. Donc là, normalement, j'ai assez de place. J'ai une mission de construire une église aussi. On verra plus tard. Je vais refaire celle-ci quand même aussi. Donc. Alors, Agenilde ou Alveva? Alveva et Agenilde. Agenilde. Ok. Alio aussi. Hop. David avec deux V. Normal, tout va bien. Normal. Raoulin. Raoulin, hop, et Tiphaine. Paf, voilà. Est-ce que je peux pas améliorer mes soldats aussi? Ah si, mais je crois qu'ils ont besoin de trucs de luxe après. Ok, donc là on a amélioré deux villas, deux maisons. Normalement ces deux maisons ne devraient pas tarder à monter de niveau. Je suis à 140 d'argent en plus toutes les semaines. C'est énorme. Là, je sais pas ce qu'ils foutent les constructeurs, ils doivent être affairés à autre chose. Oui, puisque de toute façon, j'ai dû mettre la priorité là-dessus, sur le fromager, mais là, c'est quoi? Un grenier qu'on va prioriser aussi. Et là, une habitation. Ok. Ok. Peut-être qu'on augmentera les stocks de nourriture ou de trucs comme ça. Parce que le pain, je suis bien, mais bon, il faudrait que ça monte quand même. Le blé, on est bien. Voilà, ça produit en ce moment. J'ai peut-être débloqué cette zone-là pour produire encore plus de blé. Ça pourrait être pas mal, ça pourrait être intéressant d'augmenter ma production de blé. Une maison se modernise. C'est exactement ce que je voulais. Ok, très bien. Le bois, est-ce qu'on monte un peu? Bon, non, pas tant que ça. Construction terminée, marché, ok.
Je pense que je vais me faire des constructeurs supplémentaires parce que j'ai construit pas mal de bâtiments. Ouais, je sais pas, ça vaut peut-être pas le coup. Ça vaut peut-être pas le coup. Ouais, des villageois ont manqué trop souvent d'habitation, mais c'est normal parce que eux, ils ont besoin de leur maison. Donc, il va falloir qu'ils la fassent monter de niveau. Ok, donc là j'ai des habitations qui se construisent. Là, eux, ils continuent à bûcheronner ici, donc c'est bien, je gagne énormément d'argent. J'ai 3 fermes à blé quand même. Mais je suis bien en blé. Je suis bien en blé. Parce que là, je suis toujours au-dessus de 400 le pain. Les vêtements, je suis super bien aussi. Ouais, je suis super bien. Ok. Donc là, on va attendre que ça soit fini pour affecter des villageois à ces tâches-là. Et on va surtout attendre... C'était quoi ça? Le bailli est disponible. Le journal, on s'en fout. Tac, 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 tac. On trouve pas de maison. Ok, c'est normal. Je ne peux pas implanter dans la zone camp forestier. Oui, c'est normal. Mon lieu de travail est plein. Bergerie. Ah oui, donc il n'arrive pas à produire de la laine. Puisque son lieu de travail est plein. Donc ça, c'est parce que là... Eh oui, là, je suis blindé en laine de partout. Je suis blindé en laine de partout. Ça veut dire que je produis beaucoup trop de laine. Ce qui, en soi, n'est pas trop grave. Donc ce qu'on va faire... C'est qu'on va reconstruire un entrepôt de ressources. Alors attendez, mes zones, je vais juste vérifier. Voilà. Mes zones sont ici. Ok, mes zones sont là. Donc l'entrepôt de ressources, on va peut-être le faire à l'arrière. Là, on s'en fout. Je peux même le faire au milieu, là, en fait. Hein. Bah non, peut-être pas dans la zone de... Ouais. Entrepôt de ressources, on va peut-être le faire genre comme ça. Clac. Hop. Et on mettra de la... On mettra de la... De la laine dedans. Parce que lui, ça va être un peu pareil, ouais. C'est-à-dire que là, eux, ils sont occupés à livrer de la laine quelque part. Ou eux aussi. Ceux-là n'en consomment pas assez. Mais bon, je suis plein aussi en tissu. Je ne peux pas réimplanter, ouais, mais ça, je m'en fous. Je ne trouve pas de maison pour mon statut. Ok, tout va bien. Ouais, mais elle va s'améliorer la maison. Ne vous inquiétez pas. Ça va bien finir par s'améliorer. Allez. Mon bailli est disponible. C'est où ça? Là-bas? Bah vas-y, hein. De toute façon, qu'est-ce que je fasse de plus? Ok. Zéro, on décide de me rejoindre. Ok. Oui, parce qu'il manquait de maison et d'église. D'église? Comment ça? Comment ils ont pu manquer d'église? Alors j'ai tout ce qu'il faut de partout. Je suis même en train de construire une extension. Mais elle n'est pas construite. Parce que... Mes constructeurs... J'ai pas assez de constructeurs. Ah, le fromager, mais il va falloir attendre d'avoir le grenier. Ah, le grenier, fantastique. Alors, combien j'ai de sans-emploi? Eh bah, parfait. On va mettre 200 emplois fromager. Et là, on va affecter 200 emplois ici, qui vont récupérer... Du fromage. C'est très bien. Clac, clac, clac. Ok, donc là on est en lait. Hein. Et on est plein de chez plein en lait. Ok. Mais du coup on va pouvoir commencer à l'utiliser ici. Ok, eux, ils aimeraient bien habiter là, mais ils ne peuvent pas. Ok, manquer d'église, ça je comprends pas.
Parce que là, on a de la place quand même. 80 places. Ça va se remplir, ça veut dire. Il faudra que j'en fasse une église par là-bas, peut-être. Je ferai ma grosse église par là-bas. Ouais. Ouais, on verra. J'ai plein de maisons qui viennent se construire là. J'ai plein d'habitations. Mais le truc, c'est que je ne peux pas les construire. Parce que j'ai pas assez de constructeurs. De bâtisseurs. Eh bien. Oh, le pain, on commence à descendre. C'est bon à savoir. Par contre, les baies, on monte. Les baies, on commence à monter. Alors, attends, par contre, là. Il m'en faudra quand même un troisième. Ce serait bien. Donc là, le marché, on avait fini de le construire. On disait, non, c'était pas celui-là, alors c'était l'autre. Celui-ci. Donc là, je vais pouvoir vendre du fromage. Et oui, par contre, j'ai pas de teneur de marché. Ah, je n'ai pas de sans-emploi. Donc on va attendre. Ah voilà, 4 ont décidé de me rejoindre, c'est parfait. Ne s'améliore pas cette maison parce qu'elle a une densité moyenne, c'est ça. Est-ce que je peux tricher et augmenter sa désirabilité avec des petits arbres, des petits arbres décoratifs, disons ici par exemple, clac, et des petites fleurs. Des jolies petites fleurs. Hop. Clac. Voilà. Est-ce que ça marcherait, ça? Oui. C'est parfait. Du coup. 4 sont arrivés. Eh bien, je vais peut-être me faire de nouveaux bâtisseurs. Au moins un ou deux. Et ben voilà. Il manquait que ça. Il ne manquait que ça. Un moine requiert votre audience. Il est où le moine? Qu'est-ce qu'il va vouloir? Du bois? Oh, j'en ai pas beaucoup du bois. Oh bah non, je garde tout. Va te faire foutre. Ok. Donc. Un atelier de construction. Ce serait pas mal là parce qu'on se développe. On se développe beaucoup à un endroit où il y a rien. Là. Vu que ça, je peux le faire au milieu. Et que de toute façon, ici, ils construiront pas de maison, je pense. C'est mort. Ah oui, mais attention, il faut qu'ils puissent construire des maisons derrière aussi parce que les gens que je vais affecter, il faudra qu'ils puissent habiter quelque part. Donc c'est peut-être pas bien malin. Peut-être que ce qui serait plus malin, ce serait de les mettre par ici. Ou là, là où j'ai un trou là. Ils seront pas loin de construire des nouvelles maisons là-bas, clac. Commencer la construction. Ok, donc j'en ai deux, donc là je vais en avoir 6 bientôt. Des nouveaux arrivants. Ça devrait descendre ça, non? Ouais, ça descend. Très bien. Donc là, le fromage, ça monte. Le lait, on est full. Le lait, on va être full. Promotion disponible, là, déjà. Le pain, on descend. On commence à descendre dangereusement, le pain. Donc déjà, est-ce qu'on avait décidé de vendre du pain? Non, c'est très bien. On commence à descendre dangereusement. Donc est-ce que faire juste une boulangerie de plus suffirait? Oui, parce que la farine, on est largement bon. La farine, on est bon. Donc peut-être qu'on va faire une boulangerie.
Ouais, le pain on descend beaucoup. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire une boulangerie. On va construire une boulangerie. C'était où les stocks? C'était par là, hein. Le grenier pour le pain, c'était ici. Ah oui, on voyait du petit pain là-dedans. Peut-être qu'on va faire la boulangerie par là. Ouais, là, ça pourrait être pas mal ici. Clac. Commencer la construction. Il est où mon atelier de construction déjà? Je l'ai mis où? Là? Non, c'est la maison ça. Là? Parfait. Alors, 1, 2, 3, tant pis. J'ai besoin de bâtisseurs là. J'ai besoin de bâtisseurs. Vraiment, vraiment. Ok, donc là, les baies, on est vraiment bien. On va même être full là bientôt. Ah oui, il fallait que je prenne des. Hop, hop, hop. Vendre du fromage, est-ce qu'on n'attend pas un peu de faire du stock? Par contre, ici. Oh, c'est toujours pas fini. Pas fini là. Ok, mais bien attendons. Attendons. Le lait on est pas mal. Hein. Peut-être que je vais. Ah, le lait on est full. Je vais faire une autre fromagerie, je pense. La splendeur de votre village a déverrouillé des nouveaux bâtiments. Ok, tout va bien. Ouais, lui il est plein. Ok. Le travail est plein, le travail est plein. C'est pas trop grave, mais ça pourrait être mieux du coup. Alors là, par contre, l'église, ils vont manquer d'église. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Trois villageois sont arrivés dans un village. Ok. Le fromage, on va refaire une fromagerie du coup, parce que apparemment, le lait, on en produit beaucoup trop. Donc, on va reconstruire une. Un fromager, ça ne perturbe pas les habitations, donc c'est bien. Pour le mettre ici aussi encore. Clac, commencer. Ok. Là-bas, c'en est où les constructions là? Pas bien loin. Mes soldats, ils sont bien. On va tous les envoyer, sauf Smeraldo du coup. Ok, donc on les envoie tous. On enverra les autres une fois qu'on aura récupéré des épées, des trucs comme ça. Envoyez. Ok, voilà. Ce qui m'embête, c'est ces deux villageois qui manquent d'église. Je comprends pas pourquoi. Et les villageois qui manquent d'habitation. Alors, ce qu'on va faire pour les villageois qui manquent d'habitation, c'est qu'on va déboiser, on va acheter une zone là et on va déboiser. Donc là, on va enlever celui-là déjà. Ce camp de bûcheron là, c'est bien, ils vont déboiser, mais en même temps, ça m'embête. Camp de bûcheron, on va le mettre ici. Clac, commencer la construction. Non, c'est un peu moche. Il y a une route quand même, respectons la route. Ok, donc l'extraction ici. Hop, clac, là il n'y a plus besoin. Là on peut y enlever aussi. Hop, par contre ici je veux qu'il m'extrait tout ça. Au moins là qu'on puisse augmenter les maisons de ce côté-ci. Là, comme ça, peut-être pas trop autour de l'église parce que on a quand même envie d'agrandir un peu cette église après. Remarque, on pourra toujours, hein. On va peut-être
pas s'emmerder avec ça pour le moment. Ok. Si vous voulez construire une maison par ici, hein. Allez-y mes petits gars. Hop, ça va être juste dur de les faire. Celle-là, ça va être dur de les faire agrandir. Ça, on va le dégager. On va essayer de faire en sorte qu'ils se mettent là où il y a de la route quand même. Hop. Qu'ils se mettent pas là où il y a de la route, je veux dire. Hop. Oh. Je fais n'importe quoi. Hop. On va essayer de faire ça bien quand même. Voilà. Donc ce camp de bûcheron, on va attendre. Ok. On va attendre un peu. On va attendre un peu avant de le détruire, ouais. J'ai dit. Le pain, ça descend dangereusement. Pour du pain, il me faut de la farine et du blé. Donc j'aurai besoin de blé aussi. Clac. On verra quand j'aurai mon nouveau. Non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. C'est pas grave. Alors. Un gisement de marbre, très bien. Ça c'est quoi? Une boulangerie. Oui. Mon bailli est disponible pour un mandat. Gagner de l'influence auprès d'une faction. Très bien. Quelle faction? C'est pas tout ça que je voulais voir. Le royaume, tiens, j'ai pas grand chose. Le clergé, non, le clergé plutôt. Hop, hop. Voilà. D'ailleurs, est-ce que je peux pas débloquer des choses? Si, bonus commercial. Ensemble en pierre. La taverne. Ouais, mais la taverne pour le moment. On va y débloquer, mais j'ai pas envie de faire une taverne pour le moment. Parce que j'ai pas ce qu'il faut. Non plus. Construction terminée, le marché. Alors, ici. Hop. Il faut qu'on vende des vêtements. Oula, mais les vêtements, ça diminue dangereusement aussi. Ça commence à diminuer. Alors. Là, on va vendre des vêtements. Hop. Clac. Ok, le fromage, on va attendre un peu d'en stocker pour le vendre. Remarque, non, on va le vendre ici. Clac, module. Sans emploi. Ok, dès qu'on aura fait le deuxième, là on va vite affecter du monde dessus. Là on avait dit qu'on voulait vendre du fromage aussi. Fromage. Clac. Et là il faut qu'on vende des vêtements. Mais les vêtements, je crois que c'est juste pour les roturiers. Donc on verra. On va essayer d'augmenter le fromage. Oula, bah d'accord, ils ont déjà vendu tout leur fromage, quoi, direct. Direct, direct. Le travail est plein, la bergerie. Eh oui, je sais. Je sais, je sais. Oui, il y en a beaucoup qui manquaient d'habitation parce que eux, ils n'arrivaient pas à construire assez vite. Donc là, ça devrait aller un peu mieux maintenant. Ça, on a dit qu'on le détruisait maintenant. Hop. Et ils vont aller du coup bûcheronner là-bas. Et là, eux, ils bûcheronnent toujours pas là. Si. Mais ils vont où bûcheronner ?
je collecte du bois. Mais tu te fous de ma gueule? Pourquoi tu vas collecter du bois si loin? Quel idiot. J'ai encore oublié de remettre ça où je l'avais enlevé pour... Ouais, continuer. Je l'avais enlevé pour qu'ils aillent déboiser un peu à côté là-bas. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée du tout. Parce que ce n'est pas efficace pour ma production de bois. Même si j'aimerais que là ce soit tout déboisé. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Le marché ici est terminé. Donc là on est bon. Le fromage, on va attendre un peu. Oula, ça y est, fromage direct. Ça monte vite quand même. Hein. Le lait est plein toujours. Ouais. J'ai deux nouveaux villageois. Faudrait que je fasse un camp de bûcherons ici aussi. Parce qu'on va faire une autre ferme. Là, on va faire une ferme de blé encore. Ouais, le pain, ça descend, le pain, ça descend. La boulangerie. La boulangerie est en construction, toujours. Un émissaire. Oh là, il se passe plein de choses. Un émissaire. J'ai pas de poisson, donc je vais te faire voir. J'ai dit... Oh là, il y a plein de choses que je peux faire. Mais que je vais pas pouvoir faire pour le moment. Puisque il faut que je... règle d'abord mon problème de pain et de fromage du coup parce que je vais, il faut que je produise plus de bouffe. Ferme de blé, on va la mettre par ici. Par ici. Et commencer la construction. Et une fois que ils auront bien bûcheronné ici, on refera un camp de bûcheron par là pour améliorer la production de blé de ce truc là. Mais en attendant, je pense que je vais avoir besoin d'un autre moulin après aussi. Ok, alors là on peut mettre de la laine. De la laine. Ok, et on va assigner deux villageois pour le moment, ça devrait suffire. Ça devrait suffire. Ouais, ouais, ça devrait suffire. Les vêtements, je pense qu'on est bon. On va voir 330. On va voir si on descend ou si on monte. Allez, bougez-vous le cul, là, priorisez-moi ça, s'il vous plaît. Ok, la boulangerie, les baies, on est toujours très bon, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Oui, parce qu'on ne vend pas de baies là-bas, je crois. Ouais, c'est ça. Donc on va peut-être vendre des baies par là, hein. Ce serait intéressant. Ah bah, il y a des habitations qui viennent se mettre là. Difficulté moyenne, hein. On va les ramener pour le moment, on va attendre d'être sûr de récupérer nos machins. Ok. Promotion, non, la promotion, on va clairement attendre. Parce qu'une fois qu'ils sont... Une fois qu'ils sont roturiers, ils ont de nouveau besoin de nourriture. Et ils ont besoin de deux nourritures surtout. Différentes. Par exemple, si je prends elle, elle doit être serre, voilà. Elle est roturier, donc elle mange des baies et du pain. D'ailleurs, je sais pas où c'est qu'elle va prendre ses baies, puisque là on n'en vend pas. Donc ici, alors c'est dans celui-là. On va essayer de vendre des baies. Hein. Hop. Je ne vends pas cette baie. Hop. Hop. Clouc. Commencez. Hop.
Voilà. La boulangerie, c'est bon. Allez. Hop, 200 emplois. Ah si, ce que je peux promouvoir par contre, c'est les serres. Eux, tous ceux qui sont... Alors, faut pas que je les trie par nom, faut que je les trie par métier. Voilà, je n'ai 1500 emplois. Voilà, juste celui qui est sans emploi que je ne promeux pas sert. Pour pas qu'il me... par contre, truc que j'ai pas pensé. Non, il ne prend pas plus de bouffe. Ok. Par contre, ils prennent de la place à l'église. Sachant que j'en ai 110. J'ai toujours deux villageois qui manquent d'église. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils habitent par là, qu'il y a trop de monde dans cette simple église. Je vais peut-être en construire une par là. On va peut-être construire l'église, même si ça me coûte cher. On verra. 139. L'église fournit de la foi. Peut-être bien qu'on va la faire par là, notre église. Hop. Ah, il me faut un module principal, une porte et un clocher. Ça me coûte combien déjà? 75 par semaine? Ah ouais! Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Bon, on va attendre un peu, hein. Ouais, ouais. On va attendre un peu, je crois. Carrément. On va carrément attendre. Ok, donc le fromage, en fait, j'en ai partout, sauf dans mon stock ici. C'est bien. C'est bien et pas bien. Ok. Donc ils m'ont ramené quoi? Du pain, c'est bien, du fer, de la pierre, des outils. Intéressant. Eh bien, on va les renvoyer, hein. Faut qu'ils s'entraînent de toute façon. En plus, ils ont rien perdu. Niveau 4, je crois que c'est niveau 6 le maximum, donc... allez. Hop. Oui, mais je peux l'envoyer l'autre, même s'il a pas d'armes, on s'en bat les couilles. Hop. Clac. Voilà. Voilà, voilà. Là, on va prendre du blé ici. Ce sera pas mal, hein, vu qu'on ramène le blé là. Le pain en stagnassant, là. On va commencer à en produire un peu plus. Ah oui, des puits, il faudrait que je construise un petit peu des puits. Surtout à côté de la boulangerie où j'en ai besoin. Là, clac, un puits. Il me faudrait également un puits. Je pense par ici. Ce serait pas mal. Hop. Et hop, 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 hop. Là, je n'ai pas de puits non plus. Construire un puits par là. Ah si, j'ai un puits là. C'est pas grave. Ok. Là, j'ai un puits ici. Je peux peut-être faire un puits par là. Ouais, surtout qu'on va, on va sûrement faire des habitations par ici. Ça coûte rien, un puits. Ok, donc là, j'ai une maison qui se construit encore. Là j'avais un puits, très bien. Là j'ai un puits ici. Ok. Donc c'est bon. Ok. Faut que je me remette à stocker du pain. J'en suis où niveau farine? Je monte. Donc je suis bon. Le blé, bah, je suis à zéro, c'est normal. Comme d'habitude. Bon, maintenant c'est ça que ferait prioriser là. Il y a des maisons qui attendent toujours à être construites. En fait, je devrais pas promouvoir tant que j'ai pas fini mes constructions parce que... Oh non, une intempérie. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. C'est quoi ça? C'est ça qui est plein? Ouais. Tissu. Eh ben, tissu, on va en stocker là aussi. Hop.
Et hop. Et là, on va affecter quelqu'un de nouveau. Hop. Tac, tac. J'ai besoin de gens, donc c'est bien qu'il y en ait des nouveaux qui me rejoignent. Par contre, il va falloir que je fasse une nouvelle église ici. J'ai pas avoir le choix. Mais quitte à construire quelque chose, autant construire l'église directement. Elle me coûte quand même deux fois plus cher. Sachant que l'église rustique prend 20 personnes, alors que l'église, elle, 20 aussi. Par contre, elle coûte deux fois plus cher. Elle coûte deux fois plus cher. Elle coûte clairement plus cher. Ce qu'on va faire, c'est que pour le moment, on va faire une église rustique. On verra plus tard. Pour faire une vraie église. Alors, on va la mettre ici. Boum. Voilà, c'est pas mal comme ça. Avec une porte comme ça et un clocher comme ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Un peu plus haut. Pour faire joli quand même. Hop. Et une petite croix ici, voilà. On refera un petit cimetière comme l'autre fois quand même, c'était sympa. Et c'est tout. Comment c'est la construction? Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé que j'ai loupé? Un puits, un fromager. Voilà, allez. Hop, produisez-moi du fromage. Le lait, on est toujours full. Donc c'est bon. Marché. Ok, garde-les. Marché, marché, marché. Hop, là on va vendre des baies. Ouais. Et on va assigner quelqu'un. Ok, donc ça se passe bien. Ça se passe plutôt bien. Et j'ai pas regardé l'heure. Et ça fait 42 minutes. C'est un peu trop long. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc on avance bien. Aujourd'hui l'objectif lait a été... Enfin l'objectif fromage même. A été un succès je dirais. Et on va pouvoir passer à l'objectif de remonter le pain. Parce qu'on a un deuxième... On a fait une deuxième boulangerie. Et sachant que le pain, la farine vient de là. La farine, on en est où à 311. Donc la farine, on est toujours bien. Le blé, on va voir. Il faudrait qu'on construise ça et qu'on se dépêche. Bon, prochain objectif, remonter le pain. Donc là, ça a l'air de remonter doucement. Ça a l'air de remonter doucement. Les baies, on est super bien. Je sais même plus où c'est que j'ai des stocks de baies. Mais en tout cas, on est très très bien. Le fromage, ça monte, donc on est bien. Le lait, on va peut-être faire une ferme de lait plus tard. Plus tard ou dans pas si longtemps que ça, on verra. Et on grossit doucement. On grossit doucement. Là, on est à 116 villageois. Enfin, habitants du moins. Voilà, voilà. On va peut-être pouvoir commencer à faire une mine. Je trouve que je suis pas assez à... Pour le moment, je m'en sors très bien en achetant mes outils. Je vais peut-être continuer comme ça, parce que pour le moment, le fer... Je me rappelle que dans ma précédente partie, le fer, c'était un peu chiant à produire. Et surtout qu'il fallait beaucoup de villageois, et pour le moment, j'arrive pas à les nourrir. Donc tant que j'arrive pas à les nourrir comme il faut... On va pas pousser ça. Pour le moment, nourriture. Nourriture, 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 nourriture. Ensuite, on verra ce qu'on fait. Voilà. Donc, et bien, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Et puis, je vous dis à la prochaine pour la suite de Foundation. Allez, salut à tous. Ciao!